Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les équations différentielles d'ordre 2. Il nous faut d'abord les définir. Une équation différentielle d'ordre 2 est une relation qui lie une variable x, une fonction y de la variable x, sa dérivée première y et sa dérivée seconde y seconde, le tout égale 0. Y est donc une fonction de x, y prime est sa dérivée, donc exprimé comme quotient des différentielles dy sur dx, et y seconde, qui vaut y seconde de x, est la dérivée seconde de y par rapport à x, et donc aussi la dérivée de y prime par rapport à x. Une équation différentielle d'ordre 2 admet sous certaines conditions une solution qui dépend de deux constantes réelles arbitraires. Commençons par un premier type d'équation différentielle d'ordre 2. Il s'agit des équations simples. Une équation d'ordre 2 est dite simple si y seconde égale g de x. À ce moment-là, on va pouvoir résoudre à l'aide de deux intégrations. Y seconde, c'est la dérivée de y prime par rapport à x. Donc nous obtenons dy prime sur dx égale g de x, soit dy prime égale g de x dx, et nous pouvons intégrer une première fois. Nous avons y prime est égal à g de x plus une première constante d'intégration, et donc dy, nous remplaçons y prime par dy sur dx, et nous obtenons dy est égal à g de x plus c1 fois dx, et donc en intégrant, nous avons y est égal à, mettons g1 de x, la primitive de la première primitive, plus c1x plus c2. Et nous avons la solution générale de cette équation d'équation simple avec c1, c2, les deux constantes d'intégration. Nous avons un deuxième type d'équation, ce sont les équations qui ne contiennent pas y. Soit y seconde plus f de x fois y prime est égal à g de x. Alors on peut effectuer un changement de variable. On pose z égale y prime puisqu'on a ici une forme d'équation linéaire. Et donc nous avons z prime plus f de x fois z est égal à g de x. Nous allons résoudre sous la forme d'une équation linéaire d'ordre 1. Nous déterminons z plus c1 qui est solution de cette équation. Donc y prime qui vaut dy sur dx va être égal à z de x plus c1. Et donc il nous faut intégrer de chaque côté pour déterminer y égale grand z de x, une primitive de petit z, plus c1x plus c2. Et nous avons à nouveau la solution générale de cette équation qui dépend de deux constantes d'intégration. Nous prenons ensuite les équations linéaires à coefficients constants. Donc il s'agit d'équations un petit peu particulières. Ay seconde plus by prime plus cy est égal à g de x, avec forcément a différente 0, puisque si a est égal à 0, nous n'avons pas une équation de degré 2. Donc nous avons d'abord l'équation homogène en prenant g de x est égal à 0, avec ay seconde plus by prime plus cy est égal à 0. Les solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2, donc ay seconde plus by prime plus cy est égal à 0, est un espace vectoriel de dimension 2. Ça veut dire que pour déterminer les solutions, ce qu'il va s'agir de faire, c'est de déterminer deux solutions particulières linéairement indépendantes, de manière à pouvoir ensuite prendre des combinaisons linéaires de ces deux solutions. Alors en prenant y est égal à e puissance rx, nous avons y prime est égal à r e puissance rx et y seconde est égal à r carré e puissance rx. Et donc l'équation différentielle linéaire à coefficient constant 2 devient ar carré fois e puissance rx plus br e puissance rx plus c e puissance rx est égal à 0. Donc nous pouvons mettre e puissance rx fois ar carré plus br plus c est égal à 0. E puissance rx étant forcément différent de 0, nous obtenons ce qu'on appelle l'équation caractéristique qui est égale à ar carré plus br plus c est égal à 0.
Donc nous cherchons ensuite les solutions de cette équation caractéristique en prenant delta. Et donc si delta b carré moins 4ac est strictement plus grand que 0, alors nous avons deux solutions réelles distinctes, R1 et R2. À ce moment-là, nous aurons y1 qui est égal à e puissance r1x et une autre solution y est égale à e puissance r2x. Et nous avons nos deux solutions particulières linéairement indépendantes. Et donc, nous pouvons former une combinaison linéaire de ces deux solutions et obtenir y est égal à c1 e puissance r1x plus c2 e puissance r2x. Ensuite, si delta toujours égal à b carré moins 4ac est égal à 0, alors nous avons une solution double R, et à ce moment-là, nous avons y est égal à e puissance rx qui est solution, et également x e puissance rx qui est solution. Et donc, nous pouvons là aussi former une combinaison linéaire de ces deux solutions pour obtenir y égal à c1 x e puissance rx plus c2 e puissance rx, soit c1x plus c2 e puissance rx. Et enfin, si delta est strictement négatif, alors nous avons deux solutions complexes conjuguées de la forme P plus ou moins QI. Et à ce moment-là, les deux fonctions y est égale à e puissance PX cos QX et y est égale à e puissance PX sin QX sont des solutions particulières linéairement indépendantes, donc ce sont les parties réelles et imaginaires de e puissance p plus ou moins qi fois x, qui est égal à e puissance px fois 6 de plus ou moins qx. Et à ce moment-là, nous avons comme solution générale y est égal à e puissance px fois c1 cos qx plus c2 sin qx comme solution générale, avec C1, C2 appartenant à R à chaque fois. Nous sommes donc en mesure de déterminer S de X, une solution générale de l'équation sans second membre. Et nous avons un théorème qui affirme que la solution générale de l'équation linéaire à coefficient constant AY seconde plus BY prime plus CY est égale à G de X est la somme d'une solution particulière de l'équation et de la solution générale de l'équation sans second membre. Nous allons donc prouver ce théorème. Il s'agit de le prouver en deux parties. D'abord, montrer que S plus P est bien solution de l'équation différentielle de départ. Deux, que toute solution générale de cette équation différentielle peut être écrite sous la forme A de x égale S de x plus P de x. Ainsi, nous considérons S de x qui est solution générale de l'équation sans second membre. Donc, AS seconde plus BS prime plus CS est égal à 0. P de x est une solution particulière de l'équation de départ. AP seconde plus BP prime plus C fois P est égal à G de x. En additionnant, nous avons A fois S seconde plus P seconde plus B fois S prime plus P prime plus C fois S plus P est égal à G de X. Soit A qui multiplie S plus P seconde puisque la dérivée seconde d'une somme est la somme des dérivées secondes plus B fois S plus P prime plus C fois S plus P est égal à G de X. Ce qui signifie que S de X plus P de X, ici on a utilisé une notation abrégée pour faciliter la démonstration, S de X plus P de X est bien solution de l'équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant. Il nous reste à prouver que T de X, solution générale de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, peut bien être écrite sous la forme S plus P de X. Donc, nous prenons T de X, solution générale de l'équation, donc A T seconde plus B T prime plus C fois T est égal à G. P de X est une solution
particulière de cette même équation, donc AP seconde plus BP' plus CP est égal à G, et cette fois-ci, nous soustrayons. Ainsi, nous avons A fois T seconde moins P seconde, c'est-à-dire directement A fois T moins P seconde, plus B fois T' moins P'. Donc, B fois T moins P', plus CT moins CP, donc plus C fois T moins P est égal à 0. Donc, nous sommes en présence de l'équation sens Comhambre, et donc T moins P est bien solution de cette équation, ce qui signifie que T moins P est égal à S de X, donc T est égal à S de X plus P de X, et nous avons bien prouvé que la solution générale de cette équation différentielle linéaire à coefficient constant peut être écrite sous la forme de S plus P, où P est une solution particulière de l'équation différentielle linéaire à coefficient constant. Cette solution particulière est déterminée en suivant les indications du tableau qui figure dans le formulaire étable. C'est tout pour cette question sur les équations différentielles d'ordre 2. Merci pour votre attention. À bientôt.